ne prie pas pour avoir un mari. On cherche un mari. Ils sont là dans les conneries. Non, Dieu n'est pas amené mon mari. Dieu n'amène jamais mari de quelqu'un. Un mari, on le cherche, on le trouve, on le drague, on le viole et on le marie. De répéter encore. Un mari, là, on le cherche, on le trouve. On le viole et puis on l'épouse. Moi, j'ai parlé. Hein. Maintenant, celui qui est fâché, là, c'est son problème à lui. Il y a moins de femmes chrétiennes. Comme non, mon mari est musulman, il m'a obligé de pouvoir adopter la religion musulmane, sinon on ne se marie pas, le monsieur ne t'aime pas. Le gars, il ne t'aime pas. Aucun homme n'est pas obligé une femme à changer de religion. C'est qu'il ne l'aime pas, c'est un maudit. Les femmes les plus bêtes en amour, ce sont les femmes qui ont de grosses fesses. Elle là, quand tu lui dis bébé, tu me plains. Hein? C'est vrai. Moi-même, je savais que le Seigneur l'a amené mon mari au... Oh. J'ai dit, on les met toujours dans des plats. Allez, en Europe, la plupart des femmes qu'on ne marie pas, on fait, puis on les laisse. Elles ont toujours les gros cuits. Voilà, Marcos aujourd'hui va vous parler. Non, regardez, il y a des femmes, même quand tu as péché, même quand Dieu même regarde la qualité de la femme, il te dit, vraiment, mon fils, tu as péché, mais vraiment, moi-même, à ta place, je te comprends. Mon fils, tu as péché, mais frère, il y a la femme là, regarde la femme là. T'as dit, tu as péché, mais Dieu me regarde la beauté de la femme, il dit, mon fils. Je n'aime pas ça, mais... Ah, petit, je comprends. Tu dis, vieux père, il dit, non. Mon petit, je comprends. Tant que tu ne l'écris pas, elle ne t'écrit pas. Il ne faut pas la marier. C'est moi qui t'ai dit. Une femme qui est fan de toi, là, elle te harcèle de messages. Bébé, tu as mangé. Bébé, bon appétit. Bébé, tant. C'est une femme qui t'aime. Elle se soucie de toi. Mais une femme, c'est toi qui l'envoie toujours message avant qu'elle réponde. C'est qu'elle te voit, c'est toi qui forces. Tu es un gaou. T'es un gnata, t'es un blé. N'importe quoi là. Voilà. Elle est dans le mouvement, on ne vous comprend pas. Vous... bonjour mademoiselle, je vous invite à prendre un café. Une invitation peut changer ta vie. Mais tu es couché à la maison, les chrétiennes, elles sont là. Chaque baiseur s'occupe des factures de la baiser. Je le répète, chaque baiseur s'occupe des factures de la baiser. Doucement. Ah. Toi aussi, comment tu peux dire ça? Ok, il n'y a pas de souci, on va s'en occuper, mais attends. Pas dit mon dernier mot. Faut écouter ma réponse derrière. Quoi? Tu dis quoi? Maman, il y a quoi? C'est la bagarre. Et en bien public là, bonsoir, je vous salue. Crie de ta maman si tu me demandes l'argent. Je vais te donner la pioche quand maman reste en poule. Donc, bonjour papa. Bonjour, quelle est votre question? Oui, tu peux Mougou. Ah, ça gâte pas. Ça gâte pas. Faut... Tu es venu pour que la relation soit vice-versa. Un homme qui veut aller avec toi, qui veut coucher avec toi. Déjà, dès qu'il s'assoit sur le lunette, il ouvre en même temps ton enlève ton caleçon. Il te laisse même pas mouiller. Il prend sa salive. Il met là-bas. Plop, plop, plop. Avec vulgarité. Il met son sexe. Plop, 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 plop. Il te retourne. Il comme une vulgaire femme. Et tu appelles ça faire de l'amour. Il te baise. On fait l'amour à une femme. Et puis quand on veut finir de jouer, on la défonce comme une petite salope. Elles aiment ça. Voilà. Mais où sont les préliminaires? Un homme, tu lui dis, hé bébé, moi j'aime qu'on tête mes seins. Oh, laisse-moi tout ça là, j'aime pas tout ça. Ma chérie, tu es dans pain. Hein? Même toucher ton clitoris, il peut pas. Tu es dans pain. Hein? Il y a des hommes qui n'aiment pas lécher les femmes à cause souvent de leurs valeurs religieuses. Mais au moins, il peut te toucher pour te faire jouir. Il peut te stimuler. Mais un homme qui ne fait rien de tout ça, ma chérie, il t'aime pas. À un moment donné, tu t'assois, tu réfléchis, puis tu dis, je préfère moi seul m'aimer. Plus hypocrite en amour, c'est les gars camerounaises. Camerounaises. Ah, Makoso, vous connaissez pas les camerounaises, les canaises? Camerounaises. Camerounaises. Elle est le blanc. Elle n'aime pas le blanc. Mais elle est lui. Elle va voir iPhone 11 dans ses yeux comme péon, péon, péon. Femme qui t'aime. Va jamais t'amener à prendre 1 500 000 ou 1 million
pour aller payer téléphone pour dire allô, allô, à cause des selfies. Une petite grosse sorcière qui ne travaille pas. Son papa est pauvre, sa maman est pauvre, son grand-père est pauvre, sa grand-mère est pauvre. La seule chose qu'elle connaît, bébé, gnou gnou. Je suis en train de souffrir. Est-ce que quelqu'un m'a appelé pour dire non? Mon général, ton goumé là, ça se passe comment? Mouton que vous soyez. Je suis là, je souffre. Ma femme n'est plus. Mon lit est froid. Tout le monde veut me mougou. Tout le monde fait vidéo pour que je m'intéresse pour me violer. Vous ne me violerez pas. Vous ne me mougousserez pas. Je suis un mougoussable. Maintenant là, faisons l'œuvre de Dieu. Fichez-moi la paix. Vous m'emmerdez à la fin. N'importe quoi.